le fait qu'on puisse y avoir des contenus d'enseignement qui soient justement adaptés aux autres cultures, à l'ouverture à la diversité, qu'elle soit linguistique ou culturelle, et le fait qu'on puisse aussi avoir des stages sur des lieux, soit à l'étranger, soit des lieux de stage où on pouvait être en exercice face à des migrants. On a aussi également eu des formations qui nous ont permis de nous ouvrir sur les systèmes éducatifs européens, mais aussi à l'étranger. Nous, on est parti au Japon, au lycée français international de Tokyo. Donc on a pu intégrer deux classes, une classe de CE1 et une classe de CM2 pendant 2 semaines chacune. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir le public qui était totalement différent d'un public en France par exemple, où là on avait vraiment des francophones ou des japonophones. On avait aussi des anglophones. C'était de les voir interagir entre eux. Les enfants avaient une autre manière de réfléchir, c'est-à-dire moins centrée sur la France, mais plutôt vers l'international. Nous, on est partis à Camprodon, en Espagne. On a pratiqué en anglais et en français. Et en mathématiques, en de l'ADNL, donc c'était des mathématiques en français. Une équipe super accueillante, une super école, dans un cadre super beau. Et malgré le fait que ce soit très très proche de la France, les techniques, les méthodes pédagogiques étaient très différentes. Et du coup, ça a été super enrichissant pour nous au niveau professionnel et même humainement parlant. Enfin, voilà. Ce fut une bonne expérience. On a adoré notre stage. Ouais. Moi, je suis partie au Népal, donc dans une école qui s'appelle l'Everest Sunday School. Là, j'ai enseigné à des élèves de CM1 à peu près ici. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y avait un échange vraiment impressionnant entre les enseignants et les élèves. Et un enseignement de ce genre à des personnes qui ont vraiment envie d'apprendre et qui sont là vraiment avec un plaisir constamment, qui disent bonjour, merci à chaque fois qu'ils te voient. Enfin, juste pour ça, ça vaut le coup. Pour ma part, je n'y vois que des points forts. C'est un parcours dans lequel je me suis beaucoup épanouie. Et en effet, c'est un parcours qui vous ouvre sur autre chose, sur la dimension internationale, tout en conservant aussi cet objectif de nous préparer à devenir enseignants avant tout.